Éliminez les points noirs de votre nez avec ce masque maison. Être belle au naturel, c'est possible. Et vous seriez surpris de savoir que des ingrédients dans votre cuisine ont des propriétés cosmétiques redoutables. Découvrez comment vous débarrasser des points noirs sur votre nez avec ce masque fabriqué à la maison. Pour avoir un teint de pêche, pas besoin d'aller en institut de beauté. Des rituels chez vous peuvent vous aider à avoir une peau parfaite et ce, sans produits agressifs. Qu'est-ce qu'un point noir ? Disgracieux et dû à l'accumulation du sébum. Les points noirs sont divisés en deux catégories. Il peut s'agir de ce qu'on appelle un comédon ouvert qui est lié à l'apparition de l'acné et est caractérisé par un surplus de sébum dans la glande sébacée. Résultat, un microkyste se forme avec cette substance et des cellules mortes. La couleur noire provient de l'oxydation du sébum. Quand il ne s'agit pas d'un trouble cutané comme l'acné. Les points noirs sont causés par la pollution qui s'incruste à l'intérieur des pores. Pour les éliminer, pas besoin d'extracteur ou de se faire un nettoyage de peau. Il est possible, en utilisant des ingrédients naturels, de les extraire. Souvent, ces soins naturels demandent de la rigueur et de la persévérance. Avec ce masque maison, vous pourrez retrouver une peau saine et débarrasser des impuretés. Comment préparer mon masque maison anti-points noirs ? Les points noirs concernent principalement la zone ténote de la rédaction, front, nez, menton. Ces derniers sont plus visibles sur les côtés du nez et les triturer soi-même peut causer des rougeurs et ne pas les retirer. Fabriquer ce masque permet de débarrasser les pores de ces impuretés tenaces. Si vous êtes sujet aux cicatrices d'acné, un soin supplémentaire sera de rigueur. Ingrédients. 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. 2 cuillères à soupe de miel. Préparation. Pour préparer ce soin, mélangez ces ingrédients dans un bol jusqu'à obtenir une pâte à consistance homogène. Ensuite, démaquillez-vous doucement pour retirer tout résidu sur votre peau. Appliquez cette préparation sur votre nez à l'aide d'une brosse. Laissez sécher cette pâte de 15 à 20 minutes. Après ce temps de pause, retirez ce masque délicatement à l'eau tiède. Les flocons d'avoine purifient la peau et le miel l'hydrate en profondeur. La méthode du gommage pour se débarrasser des points noirs. Lorsque les points noirs sont très incrustés, le gommage peut être de rigueur. Ce dernier est doux et n'agresse pas la peau. Pour cela, il faut mélanger 2 cuillères à soupe de miel et une de sucre en poudre. Appliquez ce soin sur votre nez et laissez reposer pendant 10 minutes. Retirez ensuite avec un gant imbibé d'eau tiède. Le sucre exfolie les cellules mortes qui donnent la couleur noire à ces imperfections. Cette astuce au citron est également redoutable pour éliminer ces derniers. Comment prévenir l'apparition des points noirs ? Pour prévenir l'apparition des points noirs, quelques gestes d'hygiène sont indispensables. Le démaquillage quotidien doit être respecté même lorsque la peau n'est pas maquillée. Un rinçage à l'eau tiède est également utile pour ouvrir les pores. Aussi est-il très important de ne pas percer vos points noirs vous-même, cela contamine et infecte la peau autour. Veillez également à ce que votre maquillage et vos produits de soins soient non comédogènes afin d'éviter la sécrétion excessive de sébum. Pour ceux qui sont friands des masques, ce soin de nuit est redoutable.